show me where the video camera is? And how do Mommy and Daddy see you? And how do they see you? Like, do they see you at home or at work? Or how do they see you? Zur Freude aller Eltern sind jetzt auch Kinder im Internet zu sehen. Eine Initiative, die in den USA eine große Polemik ausgelöst hat. We presented to the parents that we were trying an experimental technology that would be encrypted, very heavily encrypted, so their children's privacy would be protected. In other words, people would not have access unless the parents gave them the code and gave them access. Any parents who had questions about the possibility of a pedophile, for example, viewing the children, my ultimate answer, frankly, was, and if they do get hold of it, we're not showing toilets, or nor are we showing changing areas, so what's a pedophile really seeing? They're seeing a picture of a child no different than they'd see in a magazine. Auf Vorschlag und mit finanzieller Unterstützung von IBM war die Kinderkrippe damit einverstanden, ihre Sicherheitskameras ans Internet anzuschließen. Das Projekt hatte sofort Erfolg. Die Eltern dieser privaten Kinderkrippe haben den Vorschlag einstimmig angenommen. So können sie sich jederzeit in die Website der Krippe einschalten und ihre Kinder beobachten, wie sie sich, unabhängig vom Einfluss der Eltern, weiterentwickeln. Das erlaubt ihnen, dem Alltag ihrer Kinder näher zu sein. For the internet access system, we are now averaging between 21,000 and 27,000 hits a day by the parents and relatives that use the system. We also have grandparents who log in the afternoon to see their grandchildren from all over the country, and that's a real gratification. Inventer, fabriquer la civilisation d'Internet, la civilisation du réseau électronique, on est obligé de le faire en quelques années, en quelques décennies. C'est-à-dire que cette génération des enfants du réseau va devoir fabriquer, sans l'aide de la génération qui la précède, sans l'aide des parents ou des grands-parents, va devoir fabriquer de toutes pièces une civilisation. Si nos civilisations, et notamment les civilisations européennes, ne s'emparent pas de ces nouvelles méthodes extraordinaires d'enseignement, eh bien je pense qu'ils seront submergés par des gens qui ne s'occupent pas de la civilisation et qui vont imposer des images, des sons et des manières de penser extrêmement utilitaristes, par exemple. Et donc je crois que c'est une bataille que nous devons mener et gagner, une bataille culturelle aussi importante que la bataille que nous menons pour maintenir un cinéma français ou pour maintenir une production d'artistes lyriques, par exemple, français. Auf der anderen Seite unseres Planeten, in Singapur, hat die Computerrevolution schon begonnen. Der Inselstaat zählt 3 Millionen Einwohner und brüstet sich damit, der Staat mit dem höchsten Bildungsniveau der Welt zu sein. Außerdem sind 41% der Haushalte in Singapur mit einem Computer ausgestattet. Seit 10 Jahren rüstet das Erziehungsministerium die Schulen mit Computern aus. Auf der gesamten Insel steht jeweils 5 Schülern ein Computer zur Verfügung. Und niemand stellt die neuen Lehrmethoden in Frage. In Singapur spricht jeder Englisch und das amerikanische Unternehmen Microsoft ist der Hauptlieferant der Unterrichtssoftware. Aber Singapur ist uns noch einen weiteren Schritt voraus. Das Programm Singapore One wurde im Netz installiert und versorgt Schulen und Behörden mit Informationen und Software. Es ermöglicht den Zugang zu interaktiven Lernmethoden. Die neue Lernwelt ist für die Schüler eine natürliche Entwicklung, für die Lehrer hingegen eine Revolution. I think we see our role not only in supplying information to our children. Like when I started teaching, I think teachers are seen as vessels of information. But now I think our job is to help them source for the correct information that is now available. In fact, we encourage our teachers that if they can integrate the use of computers in art lessons, music lessons, English, science, so be it. Tomorrow you can come back and use the same computer. Der Computer im Unterricht stellt für viele Lehrer eine Herausforderung dar. Eine neue Aufgabe in einer sich wandelnden Umwelt. Is that going to be the size? Okay.
see the point effect shape alignment. Okay, we're going to the alignment. And in the computer, they are reacting with the program, and it's only when they need help that they come to me. So maybe I feel more of a facilitator than I see my role as being less important, maybe in the computer room. I mean, I do feel a bit helpless sometimes when pupils have problems with the computer and they need my help, and I'm not able to help them, and I just feel as if I'm losing that little bit of kind of control, maybe. But it helps that my pupils, they accept that the teacher does not know everything. And when I am unable to help them, they do accept it, and there's no like ridicule, that kind of thing. So it does make it easier for me. I can feel your thinking. Das Erziehungsministerium verdoppelt sein Budget für die Ausbildung der Lehrer. Das Bildungswesen soll um jeden Preis mit den Entwicklungen Schritt halten. Older teachers will find a bit difficult at the rate we are going, you know. But I think they do want to learn, but they need more time to get the mindset correct and then to adjust to this new environment. As for myself, I don't see any problem because I'm young and I'm being trained in this way. Die Schüler passen sich unglaublich leicht an die neue Lernwelt an. Eine neue Disziplin hat sich entwickelt. Die Lehrer-Schüler-Beziehung hat sich umgekehrt. Und der Computer, der niemals Strafen erteilt, ist zum Lieblingslehrer der Schüler geworden. I prefer the computer. 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 With your computer, it's easier to draw pictures. Because sometimes we can take out pictures from the program and we don't need to draw. I get to know more, it widens my knowledge. When you do your compositions, they can help you check your tenses, spelling mistakes, grammar mistakes and all. Do you think you still need the teacher in a computer class? Maybe. Maybe what? Maybe, maybe not. So, what do you think you wouldn't need a teacher? For what particular part of your work in the computer you wouldn't need a teacher? Like saving data, typing mistakes, opening a file, whatever. Mm-hmm. And then on which part do you need a teacher? System errors, the... I think the change has come about and teachers have accepted it, and they also believe and understand now that, you know, it doesn't work where you are just a disciplinarian, because I think if a child is going to learn out of fear, there is no learning done. So there will be a shift in learning, new learning strategies. Children will hopefully be more competent, become more independent learners, because if they are hooked up to the internet and if we taught them how to source for information, then they will be taught how to use this information to their advantage. Le monde est devenu un village dans la formation. Bien, dans la formation et dans l'éducation, il en sera de même. Alors évidemment, c'est une transition très, très, très difficile. Mais encore une fois, je ne crois pas du tout que les enseignants vont devenir obsolètes. Ils vont au contraire être encore plus essentiels, parce que la présence enseignante pour expliquer, commenter, fabriquer des logiciels va être indispensable. Simplement, ce que je crois, c'est qu'ils prendront l'habitude de travailler davantage en équipe qu'ils ne le font actuellement. C'est-à-dire que l'enseignant sera beaucoup moins isolé. Donc ce que nous proposons, c'est aux enseignants de s'emparer de cet outil. Le net est une formidable bibliothèque sur laquelle on peut trouver tout ce qu'on veut. Mais il a quand même d'énormes inconvénients. Le premier, c'est que le net conduit à voyager. Et donc, pour certains, en voyageant de lien en lien, à perdre le fil de ce qu'on cherche. Deuxièmement,
il n'y a pas sur le net un triage. Tout le monde peut y afficher ce qu'il veut. Et vous ne savez pas ce qu'il veut. Vous ne savez même pas, en dehors de la qualité littéraire, ce qui est vrai et ce qui est faux. Il peut y avoir des textes complètement faux, présentés à égalité, des textes vrais. Donc c'est une sorte de gigantesque décharge des informations et des mensonges, des manipulations de la planète. Schülerinnen und Schüler, bevor sie im Internet arbeiten, ausführlich darüber aufgeklärt werden, was für ein Medium dieses Internet ist. Es ist sozusagen die Öffnung der Schule auf eine ganz radikale Weise. Es wird Werbung in die Schule gespielt, das können Sie gar nicht verhindern, wenn Sie Suchmaschinen benutzen. Es werden Inhalte in die Schule gespielt, die auch die Kinder, wenn sie im Internet arbeiten, persönlich ansprechen. Massen-E-Mails werden verschickt. Über all diese Dinge müssen die jungen Leute zunächst ausreichend aufgeklärt werden und die Eltern auch. Ich denke, wir gehen folgendermaßen vor. Ich mache die Anlage gleich an. Ihr sollt heute nochmal in eurer multimedialen Mappe arbeiten. Einige Seiten müssen noch vervollständigt werden. Wer nochmal im Internet schauen will, ob er da noch irgendwie Materialien finden kann. In Gütersloh befindet sich die modernste Schule Deutschlands, dank eines Softwareabkommens mit dem Bertelsmann Verlag. Multimedia ist in dieser Schule ein eigenständiges Unterrichtsfach. Das Internet spielt dabei eine tragende Rolle. Die Schüler bearbeiten bestimmte Themen mit Hilfe von Unterrichtssoftware oder dem Internet, wie zum Beispiel heute das Dritte Reich und die Judenverfolgungen. Der Lehrbuchunterricht wird auf diese Weise durch eine komplexere Lehrmethode ergänzt. Wir haben das verknüpft. Wir haben die Bilder genommen, verknüpft eben zusätzlich mit, in diesem Fall, diesem Videodokument, zum Beispiel auch mit Tondokumenten. Die Schüler sind hier zum Beispiel in Gütersloh auch in die Stadt gegangen, haben Interviews geführt mit Bürgern zur damaligen Zeit. Und Sie können sich vorstellen, dass das ganz andere Lebendigkeit erreicht, als wenn ich meinetwegen dazu ein Textdokument habe. Ein Unterricht, der das Internet als Informationsressource nutzt, nicht sozusagen vorab komplett einsurfen. Das ist ganz klar ein Risiko. Aber das ist ein Risiko, was einfach eine offene pädagogische Situation beschreibt. Und ich denke, auf solche Risiken müssen wir uns einlassen. Ja, richtig. Und jetzt Grafik, ne? Was ist eine Grafik? Ja. So, und jetzt musst du erst wieder ins Tauschverzeichnis gehen. Ja. Oh, ja. Gut. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, ob das geschickt war, das als Farbpunkt. Oder so, kannst du auch noch größer sehen. Toll, ey, du kannst das. Gut. Also wir haben hier wirklich die Möglichkeit, ganz aus diesem Frontalunterricht herauszugehen. Ich werde gebraucht, ich muss zu den Schülern hingehen, sie haben ständig Fragen, inhaltlicher Art, technischer Art. Aber wir können den Unterricht wirklich auflösen in diese sogenannte arbeitsteilige Gruppenarbeit. Dann setzt ihr euch vorne an den Rechner. Das heißt, dass die Rolle des Lehrers eher die wird, den Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zu helfen, selbstständig zu recherchieren und selbstständig Informationen aufzubereiten. Es gibt dann für den Lehrer auch immer wieder die Situation, dass er mit neuen Materialien, mit neuen Fragestellungen konfrontiert wird, die er in der Unterrichtsvorbereitung überhaupt nicht antizipieren kann. Und insofern wird da auch ein sehr souveräner Typ von Lehrerinnen und Lehrer verlangt, die einfach in der Lage sind, einen offenen und risikoreichen, in diesem Sinne risikoreichen Unterricht durchzuführen. On est au début de cette aventure. Nous avons à faire la synthèse entre une culture traditionnelle que je ne veux pas abandonner. Au contraire, ce qu'on veut, c'est ancrer notre culture traditionnelle, que ce soit la littérature, l'histoire, la poésie, les arts, et en même temps, utiliser une technologie moderne pour la promouvoir. 15 Milliarden Francs und 100 Millionen D-Mark wollen Frankreich und Deutschland in Computer und Software sowie in die Ausbildung von Lehrern investieren. Manche Städte und Gemeinden sind schon gut ausgestattet, dank der Initiative von Lokalpolitikern. Andernorts warten die Hochschulen immer noch auf Subventionen von der Regierung und appellieren an den guten Willen der Professoren. Ja, wir müssen weniger in Beton investieren, sondern mehr in solche Ausrüstungsgegenstände. Das ist überhaupt nicht notwendig, dass man seine Arbeiten als Student oder als Professor
unbedingt in den Räumen der Universität macht, das geht von zu Hause, wenn man den Zugriff auf das Wissen hat, genauso gut. Das ist eine dieser großen Veränderungen im Bildungssystem. Das Gleiche gilt übrigens für die Schulen. Da nützt auch nicht nur ein PC in einem Raum der Schule, sondern das muss Bestandteil des normalen Lernens und Arbeitens werden. Manche Unternehmen sind zu Mäzenen geworden. Sie versorgen Schulen mit Computern und Software, wie zum Beispiel Lotus France, die französische Filiale von IBM. Diese Aktionen sind jedoch nicht frei von Hintergedanken. Ces technologies vont permettre à un élève qui a par exemple besoin de préparer un exposé sur un sujet, au lieu d'aller à la bibliothèque, d'écouter la radio, la télévision, de lire la presse, de demander à ses petits copains telle ou telle information, bah à partir d'un terminal, il va pouvoir se connecter à l'ensemble de ces informations et préparer son sujet. L'objectif, c'est quoi? C'est que ces élèves seront demain les dirigeants et les cadres des entreprises françaises. Et donc il est évident que Lotus a par là même, si vous voulez, une perspective d'évolution et de développement de ses activités. Ceci étant, il y a une volonté d'entreprise citoyenne qui est réellement la nôtre. Das Unternehmen Lotus France hat der Schule Jean Jaurès in Paris einen multimedialen Computer gestiftet und die dazugehörige Software. Aber die Schüler sind in erster Linie an der Maschine Computer interessiert. Donc, le thème d'aujourd'hui, je note au tableau, thème justice. D'accord. Et donc la justice étant un domaine assez vaste, il était préférable justement de travailler dans un projet qui soit un projet ciblé, le projet étant justement le projet sur la violence. Et à un certain moment, nous allons utiliser un outil, à savoir pourquoi on va utiliser l'outil informatique, nous permettant de rédiger des fiches, fiches techniques, fiches pratiques, dans lesquelles on va émettre tout simplement tout le travail que nous avons fait sur ce thème-là. Qu'est-ce que ça vous était pas au niveau de violence? Quand on parle de violence, ça me fait penser tout de suite à des coups. Ah, des coups. Quand on tape sur les camarades. Ne pas taper sur les camarades, d'accord, ou sur les enseignants. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a que de la violence dite physique? Non, il y a aussi parole. La violence. Parole, donc violence de quel type, on pourrait dire? Des insultes, donc violence morale, d'accord. Il serait préférable, justement, en utilisant l'ordinateur, de rechercher, justement, par l'intermédiaire d'un outil qui soit un outil d'information, savoir si tout simplement la justice prend en compte et sanctionne des insultes. Awa, tu peux lire, s'il te plaît, ce qu'on te demande, le titre. Quel est le titre de la fiche? On va mettre un terme qui soit un titre plus vaste, on va mettre les sanctions. Donc tu vas noter comme ce titre-là. Ne pas oublier donc au niveau de la présentation, c'est-à-dire d'utiliser les majuscules et ainsi de suite. C'est un outil qui plaît à la base, c'est-à-dire dans lequel les élèves ne sont pas en rupture, comme dans certains cours dans lesquels les élèves ont du problème. Par rapport à ça, ça leur permet surtout de pouvoir communiquer directement avec d'autres élèves et surtout de pouvoir donc leur amener leur expérience et pouvoir communiquer les expériences d'établissement à notre établissement. C'est quelque chose de très important pour l'élève, ça leur permet de le rassurer et de voir que tout simplement, il a quand même des possibilités. Donc apparaît une fiche dans laquelle, là aussi, vous avez pu remarquer que chaque fois qu'on passait de fenêtre en fenêtre, il y avait plusieurs choix de menus. Parce qu'il n'est pas possible de mettre directement une fiche, il faut justement détailler. Pour cela, là aussi, on va vous demander un choix. Donc on va cliquer devant l'icône correspondant et ensuite on tombe sur la fiche pratique, justement la fiche dans laquelle ça va nous donner l'information. On s'aperçoit que l'information que nous avons besoin se trouve au début du texte, c'est-à-dire au début de la fiche. On va remonter justement, on va, en fait, la copier. D'accord? La copier et ensuite, comme a dit Mohamed, nous allons la coller dans notre document. Clique, reclique n'importe où, Kémé, tu te passes devant le cul. Place-toi devant le cul, clique devant le cul. Kémé, il faut te déplacer, si tu ne te déplaces pas, ça ne marchera pas. Maintiens tout le temps, non, là. Il faut tout le temps maintenir le bouton gauche appuyé, sinon, pour l'élève à lui à la base, c'est déjà donc pouvoir travailler d'une façon agréable, en autonomie surtout. Donc ça lui permet aussi d'avoir une gestion qui soit une gestion personnelle. Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que les élèves, face à l'ordinateur, ils travaillent à son rythme, d'accord. Il fait quelques fautes et ainsi de suite, c'est lui-même et l'ordinateur
au lieu que ce soit l'enseignant qui lui dit « vous avez fait une faute », l'ordinateur lui dit « je ne peux pas faire cette opération parce qu'il y a une erreur ». Donc à partir de là, il rectifie, donc c'est une compréhension qui devient de plus en plus, importante. En fait, Internet est d'origine un outil d'éducation. On s'est rendu compte que c'était l'instrument dont tout le monde rêvait depuis l'encyclopédie, en fait. Avec le jeu, on est dans le domaine de la rupture. Ce sont des gosses, ce sont des jeunes gens qui ont créé leur petite boîte et qui, dans le Far West du nouveau monde électronique, ont réussi à faire passer leurs produits, qui sont des produits mutants. Pour moi, ce sont des mutants. Pierre Genevès ist 17 Jahre alt. Seit zwei Jahren leitet er Pierre Soft, ein kleines Softwareunternehmen. Während der Hausaufgabenzeit hat Pierre seine Software entwickelt. J'ai commencé par le jeu. J'ai voulu créer un site sur Internet sur mon jeu favori. Et pour faire ça, j'ai voulu en même temps me programmer un petit bloc-notes quoi, pour avoir des fonctions où je n'ai pas à les retaper en permanence. Et après, j'ai délaissé mon site pour finalement me consacrer au logiciel. À mon niveau, il n'y a pas vraiment de formation. Donc, quand j'ai voulu faire mon premier site sur Internet, j'ai regardé comment les autres avaient fait. Je me suis renseigné et puis petit à petit, j'ai appris comme je pouvais. Pierre, ein Hersteller von Websites, hat seine Software, die im Internet abrufbar ist, schon an die 50 Mal verkauft. Er ist dafür bekannt, besser und billiger als seine Konkurrenten zu sein. J'ai mis à peu près un an, et plus d'un an même, à faire ce logiciel. Et c'est vrai que bon, j'y passe pratiquement tout mon temps libre. D'ailleurs, l'an dernier, quand j'ai développé vraiment le cœur du logiciel, les notes étaient plutôt en dents de scie. C'est vrai, mais enfin, cette année, ça va mieux. Dass jemand im Internet herumsurft, ist ja zunächst mal noch nicht besorgniserregend. Dass jemand fernsieht, ist auch nicht besorgniserregend. In dem Moment, wo beim Fernsehen oder auch bei der Computernutzung, sei es Internet, sei es Computerspielen, sei es sonst irgendwas, aber sichtbar wird, dass ein Kind seine sozialen Kontakte abbricht, dass ein Kind sich sozusagen mit der Maschine isoliert, dann sollten natürlich die Alarmglocken klingeln. Nur. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est vous imposer quelque chose pour votre bien. Comment, dans cet univers de liberté généralisée, de caprice, d'éphémère, chacun pour soi, de refus de l'autorité, pourra-t-on imposer l'éveil de la curiosité? Pourra-t-on créer l'envie de quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas? Ça, je crois que c'est un des plus grands enjeux de la fabrique sociale. Ça peut être possible que si on installe, plus ou moins volontairement, j'espère volontairement, par le biais de l'éducation, le désir de découvrir ce qu'on ne connaît pas. Ce qui renvoie toujours à la même question, à l'éternelle question, l'acceptation de l'étranger. De l'étranger dans la culture, mais de l'étranger dans la vie. Et nos civilisations ne pourront survivre que si elles font à la racine, à la base, de l'acceptation de l'étranger, le fondement de l'organisation sociale. Die Einrichtung ICOM, 1996 von Handicap International gegründet, betreut in Lyon 50 Behinderte und bildet sie am Computer aus. Dadurch soll die Schulbildung der Kinder ergänzt werden. Außerdem sollen die Jugendlichen und Erwachsenen eine Ausbildung erhalten. Zum Beispiel die Erstellung von Websites, Desktop-Publishing, Zusammenschnitt von Filmen, Fernstudium und so weiter. La direction informatique du Crédit Donné. Et depuis 5 mois, je travaille en télétravail à Lyon parce que je fais du sport de haut niveau et je fais de l'équitation. C'est pas évident, mais ça fonctionne bien. Parce qu'avant, j'allais tous les jours au bureau, je prenais le métro, le bus pour aller au métro à la Défense. C'est vrai que c'est plus commode pour moi de rester chez soi pour travailler. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être bien d'essayer d'avoir une souris adaptée à mon handicap. Donc j'ai essayé des boules, ça n'allait pas très bien. J'ai essayé des claviers, ça n'allait pas très bien. Et tout d'un coup, j'ai vu mon bonheur, c'est-à-dire un joystick que j'utilise, parce qu'en fait, j'utilise le clavier avec la langue, comme ça. Bon. Le problème, c'est que quand j'avais la souris normale, je change de position et c'était galère. Et là, grâce à ça,
Je peux taper comme ça, et tout d'un coup, clac, donc je vais avec la souris. Nach mehreren Lehrgängen schaffen einige von ihnen den Sprung ins Berufsleben. Tu me dis comment on fait, hein, parce que je connais pas. D'accord. Bah, tu viens de suivre. Ok. Alors, première chose. Oui. Tu te connectes sur Internet. Je t'en veux plus. Je suis perdu. Je vais te tirer les oreilles. Pas trop fort, hein. J'ai une balle. Bien. Bon, j'en prends la main, bouge pas. D'accord. T'as un bon cas d'école. Ouais, ouais, ouais. Bah, clique dessus. Et tu as une petite surprise. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai les mains libres, hein, c'est voilà. Alexandre de l'autre côté qui est en train de piloter le navigateur qui est sur mon ordinateur. Il est sympa le logo là, non? Ouais. Reprends la main. T'as vu, je progresse vite. Hein. C'est très bien, ouais, Alexandre, je vois que tu te débrouilles parfaitement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur le professeur? Eh bien, essaye de me trouver un site qui peut t'intéresser. J'ai été voir des photos de Mars, du robot qu'il y avait eu sur Mars. Le sport, oui, aussi, un peu d'histoire, et puis l'espace, généralement. Je vais régulièrement sur Internet, sinon pour écrire. C'est vrai que j'utilise un clavier à l'écran. Vu mon handicap, avec les années qui passaient, ben, j'avais que cette solution que d'écrire par cette manière, et c'est vrai que ça apporte beaucoup. Sinon, je pourrais pas écrire, et ça serait un peu dommage quand même. Vincent, ouais. Tu m'entends? Ça va? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de jouer en attendant. Ben moi, là, je suis sur Internet, je regarde un truc sur le chocolat. Ah ouais. Internet apporte déjà une chose essentielle, c'est que ça permet de rompre l'isolement des personnes qui physiquement sont isolées. Donc, dans le cas de Vincent, par exemple, il est actuellement dans une chambre d'hôpital. Sans l'outil informatique, il est cloisonné dans cet hôpital et il n'a de possibilité de contact qu'avec le personnel de cet hôpital. L'ordinateur lui permet aujourd'hui non seulement de communiquer avec d'autres personnes à l'extérieur par le biais de la visioconférence, mais au niveau d'Internet, de communiquer avec des personnes au-delà des frontières et surtout au-delà du système de visioconférence. Donc ça l'ouvre sur le monde. Donc, il peut effectivement communiquer, échanger, et surtout montrer ce qu'il sait faire. Donc, quelque part, reprendre sa place dans la société. Un ou deux mois après avoir Internet, j'ai commencé à faire un site sur les chats que je mets à jour régulièrement, tous les mois. Le site est ouvert depuis 6 mois. Et à ce jour, il y a 1700 visiteurs qui l'ont consulté. Il faut savoir que Vincent, c'est quelqu'un qui est passionné par le dessin. Ça faisait près de 7 ans qu'il ne pouvait plus dessiner du fait de son handicap, myopathie. L'ordinateur lui a permis d'accéder à des outils de graphisme qui lui permettent aujourd'hui à nouveau de dessiner. Vincent Martouré arbeitet und lebt seit 2 Jahren mit seinem Computer. Jeden Tag unterhält sich über Internet mit seiner Freundin Christine, die in einer anderen Stadt in Frankreich im Krankenhaus liegt. Hallo. 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 Ça va? Ouais, ça va. Ouais, je suis pas trop en retard.
Donc on n'avait pas eu de s'envoyer un truc, donc je te l'envoie. Transfert de fichiers. En plus on peut se parler, mais on peut s'envoyer des trucs. Vas-y. C'est bon. C'est très sympa. Je suis sur un serveur de jeu australien pour voir. Vincent kann sich ein Leben ohne Computer nicht mehr vorstellen. C'est impossible, c'est inconcevable. Ça serait carrément comme si on m'empêchait de vivre, presque.